Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 12 de notre campagne sur Baldur's Gate où on essaiera d'éviter de tuer tout le monde ce coup-ci, je crois. Non, on a tous Ouais, loupé. on On verra bien. essaiera. On verra bien ce qui viendra. Bah voilà, on a juste eu le temps de faire un petit peu de vente parce que on avait un nain surchargé. Et voilà. Ouais. Et j'ai éteint mon armure avec un saillant rose pâle qui est purement immonde. On a l'impression que j'ai mes bras qui sortent de l'armure. En fait non, c'est mon armure. Ah ouais, oh, ça donne un petit côté Slaanesh. Oh vas-y, vas-y Atimir, faut que tu teintes ton armure avec le rose pâle. Il est où le rose pâle? Faut que je te l'envoie. Toi, on a Mais l'impression qu'en gros tu t'es cousu des trucs dans les bras. on va... Voilà, mais Allez, c'est vas-y. incroyable. C'est vrai que c'est assez bizarre. Allez, Comment tu vas-y. dis ça? Allez, vas-y. Teins ton armure. Ah merde, attends, je l'ai Hey, enlevé. c'est la nuit, enfant. Oui, en vrai. Quel Oh. enfer. Hey, c'est pas si Ah, pire. ah non, C'est c'était pas si vraiment. pire. On dirait Barbie, Oh mais non, en... attends. on dirait la Barbie de combat. C'est un Attends, mais en croisement plus, de c'est G.I. dans le Joe et thème. Barbie. Je préférais la couleur originale. Eh, mon marteau est très joli, moi j'avais pas fait En gaffe au plus, truc. c'est cool, c'est dans le thème de l'année Je sais pas là. si tes buds Ouais. vont changer. Oh? Mais il est pilule, là. Mais je suis en train de l'éteindre dans 2 secondes. Ah, d'accord. Mais tu sais que tu peux l'éteindre tout en les laissant sur toi. Bon, écoute, j'ai pas réussi. Alors, c'est Non, très rose, hein. elles n'ont pas du coup changé de couleur. Je suis un peu Bien. déçu. Sur Ouais, bon, ces bah. considérations purement esthétiques, est-ce qu'on n'irait pas Attends, mais Là-bas. je suis en train. casser Pour du la science, gobelin? je viens de faire quelque chose. Oh, let's Oh. go! Je Qu'est-ce que t'as crois que j'ai vu fait? quelqu'un. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il a. Il a Regarde mon torsé sous manteau. le vêtement. Pour la science, t'es où? Oh, Dame, au secours! Attends, mais toi, j'ai Ce pas sera vu. pour plus tard. Oh. Ce sera Attends, hors j'arrive, caméra. attends, j'arrive, j'arrive. Weird, viens voir, viens voir. Maintenant. Viens, on va le petit buisson. Hein. Regarde! Quel enfer! Oh, hey, salut toi. Putain. Ok. Et oh là. Mais pourquoi on se tabasse? Oh, elle va crever. Weird mec, il va vouloir son arme et son armure là. Non, c'est mon armure, elle est mieux. Phrase. Ça dépend. Je crois qu'il servait le point enflammé. Regardez, il est là le point enflammé. Ah bah je pense qu'ils vont se faire enflammer la gueule. Ah là, il va être enflammé, là c'est clair. Mais Allez, détruis je pas le sers le pont pont! enflammé, manifestement. Mais qui bolosse! Est-ce qu'on va pouvoir tuer un dragon d'eau? C'est-à-dire, ouais. C'est à ce moment-là où. Vous pensez qu'ils savent qu'on a tué leur pote? Chut, personne ne leur dira. Ah bah peut-être qu'on peut aller leur dire. Excusez-nous, la Yi-Tianqi qu'on a crevée, elle était avec nous. Son petit diadème doit valoir de la thune. Ah, son, c'est des xénophobes, faut Putain, tuer les gars. mon C'est pas perso a une voix. C'est des xénophobes, faut tuer les xénophobes, c'est Ouais, c'est pas les dents. Mon perso a une voix, sans deck. Moi je suis en full noir là. Ouais, pareil. Ouais. Ok. Ouais, par contre, le dragon à Ah! 400. Le dragon à 400 PV, on en parle ou? Ah! Faut le tuer le dragon là? Je Non, sais pas, il est non, non, niveau. non, non, faut esquiver. Il y a plus de dragon là, je crois. Si, si, Ah, si, si, y a un si. dragon. T'auras du mal à Il est la où? rater, tu sais. Il est Ah, où, il je est le level vois pas. 10, hein. Mais je le Putain, vois pas. la teinture sur le vêtement, pas sur tes yeux, hein. Alors, le gros truc rouge à tes mires, c'est un dragon. Non, mais alors, je Viens près de répète. moi. Viens près de moi. Ah, J'espère que effectivement. parmi tes vêtements. Il vient d'apparaître. Oui, ça va, c'est Ah, bon. peut-être que ça peut déconcentrer le dragon, hein. Ah bah c'est ça, on sait jamais hein. Bon, les mecs, ils ont quand même dit interroger, tuer et rentrer à la maison. Oui, alors on va pas passer par là. Alors ce qu'on va faire Y'a un c'est coffre, y'a un coffre, on est passé devant un coffre. Oh là là. Ah, vas-y. Oh putain. Regarde. je te rassure, j'étais en train de faire demi-tour. Oh, J'ai trouvé une torche. je l'ai vu là, C'est bien ouais. parce que t'as les deux Quel mecs devant qui sont partis, après t'as les deux crevards derrière là. Non mais moi coffre? c'est juste, je Non non pense mais au... t'inquiète, t'inquiète, il y avait pas de à coffre. la balance budgétaire du groupe. Moi j'aimerais bien en mode on sauvegarde et on tente. Voir ce Non, qu'on arrive à lui mort. faire. Hey, il y a une petite fontaine là. Enfin, il y a une rivière sous Mais il y a la. moyen de passer au-dessus du pont, je vois sur la carte, mais moi j'arrive pas à sauter. Bah y a un Ah, il est pont juste reparti devant plus toi. loin hein, du coup. Hein. Ah, là-bas, au pont là-bas. Mais oui, vas-y, le pont là-bas, on y va, moi je saute.
Là, je suis pas sûr de pouvoir sauter. Ah, mais peut-être de plus haut. Mais Attends. si, sur le caillou, faut sauter sur le caillou. Sur le caillou. Quel caillou? Ah, j'ai rien. Ah oui! C'est Va vrai. venir un caillou. Ah, mais non, c'est juste un caillou. Oh, franchement, je suis à rien, quoi. Je suis vraiment à rien, ça me saoule. Allez, laissez passer les grands. Allez. Bref, on en reparlera. Hein. Allez, laissez Ah passer ouais? les Ah grands. ouais? Ah ouais? Allez, let's go. Allez! Putain. Allez, les bolosses! Vite. Allez, Abby, Putain. bisous, hein, je continue sans vous. Allez, adieu. Ouais, Plus t'arrives où? vous entendez un peu? Attends, y'a pas moyen de le rejoindre, attends, il faut réfléchir. Ah! Oh, j'ai trouvé un petit trou. Titre. J'ai Ah, entendu je déjà. suis trop gros. Titre. Ouais, oh, là, titre, ouais, là, titre. Bon, comment on fait pour rejoindre celui-là? Eh bah. Attends, si, j'ai peut-être une idée, attends, je t'envoie des What caisses. the fuck? Oh, ça Qu'est-ce nous que. a TP! Let's go! Mais genre, moi pas! T'es sûr que ça t'a TP? Je suis pas bien sûr. Hein. Je suis dans la cinématique. J'ai Moi vu je les suis pieds de pas mon TP! personnage en rose. Oui, j'ai vu, je vous ai vu derrière. Mais Non, pourquoi t'étais moi je suis trop pas loin, t'étais trop loin. TP? C'est trop drôle, c'est trop Mais drôle. niquez-vous. Mais en même temps, ça t'apprendra à te barrer. Mais je me barre pas, j'étais 2 mètres derrière vous. Alors, moi ouais, je suis parti en repérage, je suis désolé. Hein. Mais oui, mais on a toujours dit qu'il fallait pas se séparer comme ça. Mais si. Alors, c'est le principe du scout. Vous avez la cinématique? Bien sûr. Ok. Alors, parce que quand tu chantes, tu parles encore plus fort que d'habitude. Ah, d'accord, pardon. The visions fade and the voice alters as a strange energy swells around you. The many-sided artifact. Somehow you understand it's repelling the presence. My power grows. My forces gather. The reckoning. On voit que je suis pas le couteau quand même, vous affûtez du tiroir. Oh, je... What the fuck? Par contre, ouais, c'est. Le truc il la pop comme ça, ah, il est tout petit dans les mains. Non, c'était Sunbreaker qui l'avait. Oh, oui, ouais, enfin, c'est dans la cinématique. Et tu peux pas les faire tes élixirs pour sauter plus loin là? Vous voulez que Ah je vous non, on n'a pas besoin. Mais où est-ce que ça arrive? En fait, c'est Bah, vrai que je ça sais arrive sur pas, rien. si je m'avance, je me fais engueuler parce que je déclenche des cinématiques. Est-ce que je peux avancer? Mais Oui, vous, bah en fait faudra on peut pas vous. venir avec toi, du coup c'est un peu relou. Il y Il a quand faudrait même un voir faudrait et où en plus t'arrives, faudrait mais. qu'on passe. Non mais faudrait qu'on passe par le sud là. Là j'ai foutu un marqueur au sud. Un custom marqueur, faudrait qu'on passe En par fait, là. là, on arrive derrière l'espèce de forteresse. Ah j'ai trouvé un truc, attendez. Mais je pense que là je suis en face d'un tunnel qui s'est effondré donc Ouais non Oui, pas le parce qu'en choix, va fait tu falloir peux qu'on contourne et qu'on descendre. passe par le truc des gobelins. J'ai trouvé des teintures vert pâle. Oh, let's go. Il y a Bon, une tu sais quoi, araignée je qui me monte l'escalier de TP. moi, ça me fait flipper. Je me TP au village Alors, dévasté. Hop. je suis au-dessus du village des. Ouais. Voilà. TP toi au village dévasté avec nous. J'arrive. Et on va aller au village gobelin. Par contre, je vous préviens, moi, les gobelins, j'ai toujours dit qu'il fallait les tuer. Ah, bah, moi aussi. Mais par contre, faut le faire de façon. Attention, petite musique. Voilà. C'est un sport. Yes. T'as ouvert la boîte à musique? Ouais. Putain, c'est fou quand même, comme un instrument, enfin une petite boîte à musique, tu vois, automatique, qui est capable de faire de la musique mieux que toi. C'est quand même dommage, hein. Ah, le thème de base, ils sont vraiment pas fait chier, les cons. C'est dingue comme quelqu'un à main nue est capable de faire plus dégâts que toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu veux, je te saute dessus, tu vas voir. Lui, il ne sait pas faire ça. Oh. Ouais, vraiment. Tu en veux un chatter dans la tronche là, si t'as pas suffi la première fois? Et j'ai l'impression qu'on a perdu Atemir en passant. Mais il est où? Attendez, je suis sur une mission, je tue une araignée. Allez, je peux peut-être te one-shot Allez. avec le chatter. Oh, oh non! Attends, viens là, Thunderwave, ça te dit?
Non, Katox, non, non. Je te propose une petite pause et on se retrouve juste après. Allez, la petite pause. T'inquiète. On est de retour. Fin de la pause. Personne n'est mort. Personne pour l'instant. Du coup, direction le marqueur qu'avait posé à Temir et on va attendre d'être tous groupir. Restez groupir. Et je vais utiliser mon sort de feuille morte pour qu'on puisse tous descendre sans se blesser un peu plus bas. Ça me gonfle tellement d'être en rose là. Si tu veux, je peux te fier du vert pâle. Ah bah écoute, pourquoi pas. Hein. Voilà. Et maintenant, quand on saute, y a plus de problème. On ne se blesse pas. Blessé là, j'ai pas rêvé. Tu t'es blessé comme une grenouille. Mais oui, mais j'ai le Featherfall. Oh le cax. Ah ça c'est le karma. Si ça bizarre. Se trouve, j'ai sauté. En fait, tu m'as sauté dessus. Ça s'appelle le karma. Ça c'est possible. Tu me files le verre. Lumière. Oui. Bien. Faites gaffe, il y a des pièges. Allez, on passe en mode discrétion. Je vais réinvoquer mon petit familier. Il y a des toiles d'araignée. Oh, il est stylé ce bleu. Voilà, ça va être très bien. Hop là, je vais changer mes sorts parce que maintenant ma trésor pôle, j'en ai plus rien à foutre. Tu veux pas que je te file. Non mais... Ouais, mais... Aïe. Alors on peut te mettre un guidance pour Ok. Non mais... Mais c'est ma connasserie de bête, là. Mais... Oh là là... Qu'est-ce que vous voulez? Bon, j'ai fait de la merde, c'est ma faute. Mais t'as vu qu'il y avait un piège. Oui, oui, mais ma bestiole, elle est passée dessus. Comme une idiote. Oui, l'IA, parfois, il est un peu... Comment dire? Frustrant. Oui. Bon, y a plein de gobelins partout. Je nous ai tous fait perdre la moitié de nos PV. Attends, je vais... Non, attendez, est-ce qu'on ferait pas un petit reste, voilà? Attendez, là j'ai l'impression qu'il y a 10 milliards. Il y a beaucoup, il y en a 3 qui sont là. Allez, mais bien joué. Oh putain. Ah non, c'est un pote, vous en faites pas, tout va bien. Ouais, je vais aller avec Katox. Ah mais non, mais t'as pas ce qu'il faut. Oh, ça va. Le gobelin complètement con. Je viens de faire un 22 sur un 2 là. Ah non, tu l'as toi déjà. Ah mais t'as le truc de Lady Tid. Ouais. Mais... Ah d'accord, on passe en sneaky et après on les marave. Je sais pas, j'en sais rien mais je voulais pas rentrer dans le combat donc j'ai fait en sorte de pas rentrer dans le combat. Ah ouais, alors là-bas, il y a un tonneau de vin de feu. Il y en a même deux. Katox, il va comme un gros sale. Bah en même temps, plus besoin vu qu'il nous a dit d'y aller. Ah bah attendez, alors on peut leur organiser une petite fête, un peu festive, attendez. Voilà. La vie est une fête. Voilà. Un petit chemin par là, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? J'ai juste bougé un tonneau. Ouais mais quand tu le bouges c'est comme si tu le prenais en fait. Bah pire, là, on défonce. Par contre c'est vrai voilà, qu'ils ont vraiment 2 PV quoi. Mais hey, il a récupéré le tonneau ce bâtard. Oh. Very well. Mais... Vous êtes parti par où? Qu'est-ce que vous faites là? Bah je sais pas, moi j'ai un chemin. Pas par là. Mais vous voulez pas essayer de les tuer les mobs là avant? Mais ils nous laissent passer pour l'instant. Bon là il y a un truc qui est enterré mais j'ai pas réussi à l'avoir. Ça devient simple quoi, une fois que tu fais un survie raté, tu sais qu'il y a une mode de terre à déterrer. Ah bah y'a un col par là. C'est moi qui ai sauvegardé. Avant ouais, le col ça doit nous amener à la prochaine zone. Mais bon, on n'a pas fouillé le camp des gobelins, on va pas partir sans fouiller le camp des gobelins. Ouais, et puis on a encore quelques quêtes à faire. Et sans tous les massacrer. Oh mais un petit gobelin qui s'éloigne là, attends.
Y a un petit gobelin qui s'éloigne là, non? On peut lui parler si on veut. On peut le buter ici si on veut. Ça n'a strictement rien changé, je suis très déçu. Oh. Tu veux pas lui faire péter la gueule avec le tonneau? Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les défonce ou on les défonce pas? Bah non, alors là il met une petite coupe de feu dans le tonneau, je pense que ça va bien les calmer. Non, mais je pense il faudrait voir si on n'a pas. Une boule de feu, je suis d'accord. Obtenir. Mais tu veux faire des quêtes de gobelins, toi? Pas forcément, mais. Mais attends, j'ai une boule de feu. Sachant que c'est nos potes maintenant. Non, mais sachant que c'est nos potes, on peut déjà aller dans leur camp. Ouais. Voir un peu ce qu'ils s'y passe. Mais on peut rien loot. Ah oui, non, mais on va les tuer, c'est une certitude. Ouais, c'est. Là, quelle déception. Charge, en fait. Savoir comment. Faut qu'on trouve le druide aussi à la con là. On peut peut-être commencer par leur poser des questions avant de les égorger salement. T'as raison. Après, moi, si on rase le camp, on va le trouver. Moi, je les aurais égorgés salement, mais. Moi, j'ai envie de dire non, vous êtes pas d'accord, c'est pas une bonne stratégie ça, on rase le ah camp. Ah, ben j'ai trouvé le camp en fait. Donc là. Tu vas super vite, du calme. Ouais, c'est un HPI ça, il dit. Est-ce que c'est un HPI? Non, ça va, on se calme, hein. Non, mais j'avais oublié que les dialogues, du coup, c'est pour tout le monde. Du coup, j'étais en train, je lisais et je... pas l'habitude. Charlatan VIP, Very Important Parasite. J'adore. Alors, ah, bah, j'ai trouvé la fête. Temps. Bah, ouais, bah, moi, j'y suis. Okay. Mais je sais pas pourquoi vous revenez sur le sur votre sur votre... Que moi je tuerais bien les gobelins, il y a des coffres et tout en fait. Mais attends un peu de voir ici parce qu'il y a beaucoup de gobelins. Ouais, oui, ils sont et un marchand. Très nombreux. Il y a un marchand, j'ai rien dit. Il y a un marchand, let's go, on va au marchand. Donc, d'abord on achète, on vend, ensuite on fouille. Non mais ça va, on va déjà acheter, on va juste voir s'il a pas des objets magiques. Et à la fin on les extermine quand même ces salauds de prix de gobelins. Ah ouais, alors là l'œuf d'araignée pourrait être très pratique avec. L'œuf d'araignée que j'ai plus, c'est ça? Ouais. Non, t'es sérieux? Non, tu l'as pété? Non, l'œuf d'araignée, je l'ai vendu. Mais non! Mais ça se rachète au pire. Ouais, oui. Voilà. C'est quoi, attends, volo là? Attends, y'a que ça. Non, pas ça. Oh, y'a l'ourson hibou qui est là, attends. Ah, t'as vu ça? T'as vu ça? Ils ont peur, les gobelins, quand je balance le familier araignée. Mais il vend rien. Il est nul. Attends, moi je veux. Ah, vas-y, récupère le. Moi je fais peur aux petits gobelins, hein. Une partie de course attends, à poule. Attends, on peut récupérer le père. Attends, je joue aux courses la poule avec les gobelins. Les gobelins et les gobelours, ils aiment pas trop les araignées. Hein. Bon allez, j'arrête mes conneries. Vivre un moment privé, vous ne pouvez pas vous rejoindre à son dialogue. Quoi? Moi? Mais oui, toi. Bah, il est pas privé. Moi j'ai pu, hein. Moi j'ai pas pu. Ah, mais c'est parce que je suis pas avec le perso. J'étais avec l'araignée. Attends, il faut que Volos ferme sa tête et puis je pourrai faire mon parti. C'est vrai qu'il y a un nombre de gens ici, c'est assez impressionnant. Moi j'ai parlé au marché. J'ai trouvé un waypoint ici, si jamais. Mais le marchand il vend rien, non? On est d'accord? Ah si si, il vend des bottes qui augmentent l'acrobatie de 1. Et qui augmente la distance de saut de 1m5 et une armure en peau, des gants d'archerie qui te permet d'être proficient avec les arcs et. T'es prêt à me balancer d'une bénédiction? Attends, j'arrive. Oh, y'a un. Tu l'as la bénédiction. Là, y'a une pique. Oh, un ça arc. Passe large. J'arrive de base, tu fais 8.
Ouh, oui, quoi. Heureusement que. Bah, je suis passé de 6 à 17, quoi. Ah, on peut voir le. On peut voir le jeu ? Totalement overkill. Non, je suis en train de réculiser un autre barde. And if you saw him kill manlings, you'd have to yell hum far. Oh la tête. Exceptionnel. Ah bah voilà, là tu l'as, Guidance. On peut déjà 13. Ah oui, non, t'as juste fait 13. T'as pas dû faire un bon jet de dés. Non. Oh, Balderdash. Ouais, stranger. You make him with my pitching. He's talking stupid now. Come, let's continue our ballad. draw Raxlin. Draw Raxlin. Putain, ces bottes, elles sont pas mal, hein. Draw Raxlin. He's massive. Tumptuous. Draw Raxlin. You broke him. Wait, wait. Draw Raxlin. We pay. We. Come on, pigeon. Back to your cage. Now, look what you've done. Oups. Mais au moins je peux faire ma partie de poule maintenant. T'avais ton, t'avais l'arc qui était en... T'avais un arc plus 1 si jamais... Ah t'es bien. Bah j'ai une arbalète plus 1 là. Après t'as une pique hein. Je sais pas si toi tu peux te battre avec les piques. Non les piques je pense pas. Tu peux l'acheter, porter accru, demain. Je vais pas mettre trop quand même. Non mais après mon bâton il est trop bien hein. Ouais, ok. Bah en fait j'ai des bonus quand je tape sans armes. Et comme j'ai pas mal d'actions qui me font me battre sans armes. C'est quoi le jeu là ? C'est, je dois faire en sorte que l'ourson hibou aille entre les deux statues. Sauf entre que ce les que les deux statues ? Ouais, plus haut là. Là. Ok. Sauf s'ils savent pas, c'est que je parle aux animaux. Bah, je veux tellement écouter ça. Oh, bah non. Attends, normalement il doit y avoir autre chose là. Ah voilà, c'est ça. Attends, ouais, j'ai pas compris, t'as fait quoi, t'as quitté le dialogue ? Cette action n'est plus disponible. Comment ça, cette action n'est plus disponible ? Et il se fout de moi ou quoi ? Ou alors je peux tenter de le faire tuer les gobelins ? Non, 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 non. Il va se faire bousiller, non, non. Oui. Il se barre là, il se barre, bah oui, il se barre, bah, il se barre. Bah oui, mais je sais pas ce qu'ils ont branlé ces gens-là. Bon tiens, prends. Ah non, c'est pas vrai. Non, c'est un reset en fait. Ouais, j'ai... Ouais, mais d'où Après, peut-être que c'est parce que tu peux lui parler, non ? Bah oui. Ah, bah voilà. Putain, quand même, quoi. Ah, j'ai eu peur. Oui ! Ah, bien. C'est comme ça qu'on t'aime. Voilà. Ah, j'aimais pas le Staxon Expedition Swim, c'est... Attends. Et tac 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 works even better in a chicken. Reckon we won't eat it after all. Pardon, you're what? Think you misunderstood, mate. Ain't no winnings, cause only a goblin can win chicken chase. Okay, je la bute. Says so in the rules. Oh, it's like you're
Je vais me mettre à côté moi. Hein. Je sais pas... Il est parti où le pote d'ailleurs? Il est dans le fond. Il est où? Il est ici de sagesse, oui, oui, oui. Mais non, c'est sagesse. J'ai rien en sagesse, moi. Attends, je te mets. Ah. Mais Oh ah, c'est bugué parce que moi je vois pas le bonus que tu lui as apporté. Hein. Et on peut récupérer le Holbert là, je sais pas, il est où? Il est là, là, il est à côté de Darda. Il me fait où, où? Ah ouais, effectivement, il te fait où, où. Mais attends, avant de cliquer, qu'on te mette des bonus. Oui, je crois qu'il a pas compris, c'est pas grave. Bah, vous êtes lent, vous êtes lent. Bah oui, alors, alors la milliseconde, c'était pas beaucoup. Attends, je vais décider, sinon tu me laisses lui parler aussi. Allez, c'est ouais. L'avantage, c'est que moi, je lui parle. J'ai un camp, tu y es le bienvenu. Yes. The cub seems anxious to leave, but afraid to defy the goblins. They have to be dealt with one way or the other. Ah, c'est... tu parles à mon cœur, tu parles à mon cœur. Non, bah par contre. Mais pas tout de suite. Attends. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais... Attends, mais ils courent après. Peut-être que si on leur dit de nous le donner. Bouge pas, Katox. Hein. Comme. Je vais faire une potion par terre. Il n'y a que nous qui avons perdu des PV, donc tant qu'à faire. Voilà. Ouh, alors là, lui, il cherche la merde. Quoi, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit que les dwarfs, c'était super croustillant. Oh, c'est vrai qu'ils sont pleins, hein, c'est cool. C'est pour ça. Ah, je peux persuader la bonne femme de me le donner. Ah bah vas-y. Hein. Je fais quoi, de l'intimidation ou de la persuasion? La persuasion. Bonus 7 à 10. Faut faire combien, 10? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Mort ou non, Holbert ? Oh, je suis un Spaniard. Ouais, par contre, il est... Ah, il a... C'est... Il a plus de speed, hein. C'est... Moi aussi, j'en ai... Déjà vous. Déjà vous. Bon, maintenant on peut les buter. Maintenant on peut les buter. Ils ont continué de. Ils sont nombreux là quand même. Attends, mais peut-être qu'il y a d'autres gens à qui on peut parler, des gens intéressants. Ouais, mais il y a une cuve d'alcool. Oh, stratégique à positionner. Attends, il y a une cuve d'alcool. Il y a un truc là. Est-ce qu'on peut se saouler? Tu crois qu'on peut se saouler la gueule avec la cuve d'alcool? Elle est toute rouge. Elle est toute rouge. Quoi. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire ça sans se. Je peux combiner des objets. Problèmes. Attends, je viens de voir quelque chose pour toi, Mulmir. Je peux te combiner. Ah. Tu vois le barbecue géant? Je peux combiner des objets. À côté de moi là. Oh putain, oui j'ai vu. T'as vu le... Alors, t'as vu ce que j'ai vu? Oui. Alors là c'est sûr, on va tous les marades. Hein. Ah ouais, côte de nain. Il y a des côtes de nain grillées. Une jambe de nain, une panse de nain. Alors par contre, moi il y a juste sur la quête, sur la carte ici, il y a un marqueur de quête. J'aimerais juste savoir ce qu'il en retourne. Étant donné qu'il y a un gros truc qui est devant la porte, moi j'y vais pas tout de suite. C'est plus que la, pour moi la porte elle est pas rouge, donc je pense que autant essayer de faire la quête et de les buter à la fin, tu vois. Ouais, allons voir ce que ça dit. C'est peut-être là où il y a le druide en question. Alors ça semble. Ah, cinématique. Ah, comment ça? Comment ça, cinématique? Non. Là, Arda, oui. Pas, il est cinématique. We're doing the absolute state your business now. A strange symbol glows marked on their flesh and something within you. Alors que moi tu vois là, s'il y a sagesse et illicide, je vais l'utiliser.
Voilà. Illicite, ça fait écho au truc à poulpe. Moi, ça me donne pas envie d'utiliser. Ouais, moi non plus, hein. Après, comme tu veux. Ah oui, mais sinon j'ai trop pris intimidation. Mais c'est pas grave. Ah oui, mais t'as plus un dans tous les cas de figure. C'est la même chose pour toi. Tu fais ce que tu veux. J'ai essayé illicite, j'ai beaucoup plus de bénéfices que entrepris en intimidation. Non, plus un. C'est juste que illicite, généralement, les gestes, c'est genre il faut faire deux, quoi. C'est plus ça. C'est genre le gerne. Moi, je dirais ça plutôt. Bon, allez, c'est parti. Attends. C'est bon. Voilà, ça peut passer. Mais ça passe. Ça fait 2G au poil de cul qu'on a fait, quoi. Ouais. Ouais. Well, you ain't the first foreign type, I suppose. Gonna have to be a bit more specific though, mate. Absolute's got a few favorites around here. Est-ce qu'il y a ton bâton? Ouais. On aurait une canne à pêche. Une canne à pêche néon. C'est pas faux. Oh. Si, attends. Bah, on nous a parlé de la. Pour moi, c'est le premier, je crois. Ouais. Ils ont pas parlé d'une. Ils ont parlé de Ils ont parlé des trois. C'est la. Comment dire oh merde, la prisonnière qui a parlé de la prêtresse, non? Oui, c'est vrai. Non, la prisonnière, elle a parlé de son chef. Et son chef, elle a dit justement qu'elle s'appelait Raxlin, je crois. Non, elle a parlé d'Arospina qui était capable de la recoller. Elle serait capable de recoller si on la découpait. Do you know? Might feel different once she puts a burning brand to you. She's through the main doors. Just follow the smell of burnt goblin arse. Ça va pour mais avec ça, on va monter à notre niveau avant d'arriver. Attendez, j'ai vu une échelle. Des trucs intéressants. Ouais, là-bas. Mais c'est juste. Non, il y a rien. Si, il y a un coffre. J'ai vu un coffre. Sur l'échelle? Donc c'est intéressant. Allez. Pas cette échelle-là, l'autre. Ah. Bah, si, justement, celle où t'es monté là. Alors, il n'y a pas l'air de dire grand-chose. Le si, au fond. Continue tout droit, même. Ah oui! Attention, moi je suis un ninja, je suis la nuit. Maintenant! I am the night. Ouais, super, elle a 3 torches, génial! Ça va, c'est mieux que rien. Hein. Allez, rejoins-nous avant que ça sente le paix. J'ai un bug là qui est terrible. Ils sont un peu buggés tous les deux là. Bloody rat, bloody rat, bloody. Ah non, c'est raté, faut. C'est quoi ça? Guider. C'est vachement. J'étais en mode ultra concentré, je suis. Attends. C'était juste les effets pyrotiques. Vous voyez ce que je vois en haut là? Un truc qu'on pourrait faire tomber. Où ça? Oh! Il y a un brasier en l'air là. Ouais, oui, ah bah elle est là, Aruspina. C'est où? Aruspia l'a m'éveillée, niveau 4. Mais elle est où? Elle est juste en face là. Elle est en train. Ah, je ne vois pas de dialogue. Bon, faut que j'aille lui parler. Bah oui. Adieu. C'est toi le gars qui parle en même temps. Mais c'est vrai. C'est toi qui as l'éloquence et le charisme. Je te guidance. J'ai pas signé pour ça moi à la base. Hein. Comment dire hein. En vrai, c'est des gobelins. Ouais, bah attends, on va se taper tout sur la tronche là. C'est un peu vénère quand même. Vas-y, fais trop pas. Ça va être kit. Ça va bien se passer. Et donc, non, je prendrai pas la. Ah ouais. J'ai sauvegardé. Avant. Allez, le sang. Mais on est absolument pas positionné, mais c'est une let's de merde. Go. Je t'as savais vu que le nombre de gens dans le truc, c'est trop ah, bien. Oui. Attends, si je fais ça. Bah merci, j'ai réussi ma sauvegarde. Si on avait des tonneaux.
J'ai pas de taux. J'ai envie de crever. Par mais contre, voilà, ça me fait chier. Aucune strat, vous y êtes allés comme des bourrins. C'est parfait, Arda, c'est parfait. Après, ils ont 7. Attends, ils ont 7 PV, 13, non, 15. Ça, ils ont genre 2 PV et demi. Moi, je vais taper trop sous le gut là. Elle va passer. Oh. Elle va partir. Il y a juste un Ruspina qui en a 40, c'est tout. Oui, c'est pas grave. Alors, là, il y a un gars qui vient d'arriver qui en a 20, mais bon. Au pire, on meurt. J'ai envie de dire, si on arrive à voilà. Paquer les deux, je leur fais un chatard dans la tronche et ils vont rien comprendre. Tant qu'ils se barrent pas pour aller demander de l'aide aux gens dehors, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on va s'occuper de. Ah, bon, plus de rien. Ah bah, adieu le pote de Arda. Bah, t'es bien, essaye de choper la Ruspina, la. La Ruspia. Ou... On est d'accord, je tue non, le boss. Ouais. Oui, tu peux. Allez, bah, tu prends. Si t'arrives vraiment à la flash, let's go quoi. Ah bah, par terre, c'est parfait. Ah, s'il arrive pas à la flash, je pourrais la finir. Hein. Bah, putain, il est mal PV. Regarde ça quoi. Putain. Après c'est... je viens de dépenser, j'ai 5 points de ressources, je viens d'en dépenser 4 tu vois. Enfin 3 ouais. Ah, genre en même temps oui, heureusement que ça fait mal si tu veux. Pourquoi moi? Parce que t'es plus petit. Parce que t'es un nain. Ah, allez vas-y. J'ai 30% de la toucher donc hop là. Pardon. Non, c'est l'autre con qui a essayé de. Mais c'est de bon, taper, tu peux aller taper maintenant. Ah, d'accord. Allez, allez. Putain, 17 quoi. Non, mais je vais re-roll une autre classe. En général, cul de faire 7 de dégâts, moi. Expectura. Oh, j'aurais dû prendre une popo de. Oh, j'étais bête. Expectura. Oh, t'as trop raison, je fais ça direct au prochain tour. Oh, et je... ah, oui. C'est bien, ils jouent tous en même temps. Ah oui, allez, franchement, oh. si ce pack... Oh, ah ouais, ce pack. Bah ils sont loin, hein. Ouais, mais pas assez packé. Ouais, personne qui me tire dessus. Ah, si tu veux, je te les donne les dégâts. Hein. Ah, bah, tiens. Vous avez fini de me lancer de l'acide sur la mouille. Ah, un petit projectile magique. Allez. Ouais, magic missile. Alors peut-être pas sur les deux qui sont à côté de toi parce que j'ai en vrai, il faudrait tirer sur lui parce qu'il a blessed quelqu'un, il faudrait tirer sur lui parce qu'il a ex quelqu'un aussi. En gros ouais. celui-ci il buff les trois qui, où il y a l'arme spirituelle. Parfait. Putain, bah du coup t'es plus ex donc ça c'est déjà pas mal. Bah je pourrais marrer la tronche à Desout Musul. Après il a 3 PV donc je pense que ça peut être jouable. Ouais je pense que ça devrait aller. Ouf. Aïe. Mais frappez le nain, il est là pour ça, merde. T'as même ton arme spirituelle, elle a plus de PV que nous quoi. Ah ouais. Ton arme spirituelle a plus de PV que nous. Ah je sais pas, moi, des mobs. Ah, il y a peut-être moyen qu'ils finissent deux mobs hein. Bah lui, ils sont plus blessed, donc ça fait plaisir déjà. Lui. Ah bah non, tristesse. Eh bah, dans quoi, toute ma sauvagerie. Une action bonus, c'est ça ? Ouais. Eh bah, dans toute ma tristesse, je termine par ça. Allez, à chaque fois que tu fais ça, j'ai envie de te silence. Ouais, vas-y. faites du muse, les mecs. Ça me fume parce qu'ils sont vraiment trop nuls. Moi, je vais. Arda, tu comptes aller où derrière là ? Tu comptes aller tuer les deux qui sont là ? Ils ont 21 et 7 de PV. Je vais continuer à attaquer ceux qui sont un peu loin. Ouais, limite, essaie de choper le chef de bande. C'est ramé. Après, l'arme c'est spirituelle, elle est terrible. Elle prend pas de dégâts quasiment, ça c'est trop bien. Oh non, eux deux, j'ai sauté. J'aurais pu leur mettre un truc dans la tronche. T'as sauté au lieu de marcher ? Qu'est-ce que tu fais ? Potion de vitesse. Ça n'a pas marché. Bah il faut que tu marches dedans. Hey, let's go. C'était. Ouais, ça m'a fait si peur. Wouah, mais ça lui a rien fait, ça me fume. Alors voilà. Bien au cac là. Après, peut-être que si tu les mouilles et qu'après je leur mets des classes, ça peut leur faire bobo. Faut qu'ils soient pas morts entre temps. Oui. Pourquoi t'as pris si cher que ça? Ah oui! Ben. Toi, t'es chiant. Alors, attends. Qu'est-ce que je vais le faire, pire, viens avec moi au cac pour les buter, tu jettes une potion à nos pieds. Ou tu jettes une potion, ouais.
toute façon, tu dois sortir de là, t'es dans de l'acide. Attends. Ouais, attends, je vais plutôt te soigner en premier. Bah, si t'arrives à buter les deux, je t'en fous, mais. Je sais pas si je vais pouvoir les buter. Parce que les deux. Là, comme tu t'es barré. Ah non, y'a ton arme spirituelle qui est en train. Ah, si, attends. 3, 2, 1, partez. Ah oh, putain, il a save. Oh, il a un PV. C'est bon. Bon, bah voilà. C'est parce que je fais une chanson d'encouragement, c'est pour ça. Ah, je peux pas sauter, dommage. C'est vrai que j'aurais pu arriver, sauter et après leur. Oh, ils sont bien pack là-bas. Oh. C'est trop bien parce que ton arme spirituelle elle tanque tellement. Ah, bah oui, elle est super pratique cette arme. Moi j'aime ça, trop. C'est hein. Résistant à tout, non? Ouais, c'est ça. Ouais, vu que c'est éthéré, ça prend moitié moins de dégâts. Tiens, c'est pété, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Arda, là? Y'a un mec là, si jamais. Je sais pas si tu l'as vu. Lui, en arme d'agadis, je crois que si je lui tape au cac, il va me foutre des dégâts dans la tronche. Ouais, c'est ça. Si on l'attaque au cac, celui-là, on va se prendre des dégâts. Oh mais non, mais un PV, mais c'est quoi ce que tu nous as fait là? J'ai fait un trait de feu, c'est 1 à 10 points de dégâts. Bah, attends, il y a un truc spécial pour ça qui existe. C'est ça. Ah yes. T'as fait quoi? Il a fait le Sandborn. Okay. Sandborn. Voilà. Moi j'aime trop, c'est la trompette pixienne, tu vois. Celle-là elle me fait trop marrer à chaque fois. Je sais pas si je suis ni celui à 2 PV ou si je casse la gueule à l'autre. T'en as un à. Ah oui, non, mais il a. C'est l'absolu, il a l'armure d'Agathis, effectivement. Les deux jouent au même tour, donc ça change pas grand chose. Bon, allez. Voilà. Bon. Autant finir celui qui était sur le point de crever. Je vais tenter d'aller me farcir l'occultiste. Non, mais pas au cac par contre. Bah, si, pourquoi pas. Il a l'armure d'Agathis, il va te mettre des dégâts dans la tronche si tu le tapes à distance. 5 PV, hein. Ouais, enfin, s'il lui met 5 PV pour ça. Non, 100%. Ah oui, si. Putain. Bah, tous deux dégâts, voilà. Ça, c'est utile, ça. Ouais, c'est tout ce que je peux faire. Mais j'ai l'impression que c'est sans doute qu'un dégât, hein. Je te rappelle. C'est pas faux. Après, t'as fait multiples projectiles au tout début, hein, je te rappelle. Mais pareil, je leur ai fait quasiment aucun dégât, quoi. J'étais en mode, ah ok, bah j'ai fait. Ah, ça continue comme ça, je vais rosper occultiste avec une spécialisation après, barbe. T'as brisé la. Comment dire? La concentration, certes. Ouais. J'ai envie de dire. Est-ce que je ferais pas ça? Bah, il y a trois là-bas qui étaient bien pack, que t'aimais bien, là. Ouais. Loin, ils sont très très loin. Ah, pour un nain, c'est sûr que c'est kilométrique, quoi. Oh, ça fait un petit. Salut. Le nain est. Ouh, c'est beau. Tellement stylé. Non! J'avais décoché le truc du Shockwave. Oh putain. Oh, ça c'est moche. Attends. Tout à l'heure. C'est pas celui-là. J'aurais pu le tuer en plus, tu t'écoutais. Ah, bordel. C'est bien passé, hein. Ouais. J'aurais pu encore mieux se passer. Bon, par contre, j'ai plus de spells, hein. Ah, bah voilà. C'est 2 dégâts. C'est pitoyable. Et sur combien? C'est un D12? Non, c'est un D8. Ouais, c'est 2 dégâts sur un D8, pitoyable. Excusez-moi. Oui, c'est pitoyable. Oh yes, en plus, elle joue après moi, l'autre marche. Oh oh! Bah après, l'avantage c'est que level 5 t'auras le. Il lui reste t'as pas une boule de feu ou un truc comme ça qui arrive au niveau 5? Non, c'est level 6. Moi je. Non. Si. Non, pas toi, Arda. Alors. J'ai pas écouté ce que t'as dit, pardon. Ah, super. Laissez-moi taper enfin! Pas bon. Le peloton d'exécution. C'est fait,
Il savait pas d'où ça venait. Ah, toi aussi t'as pu la potion là, t'es stun ouais. Comme un con. Ah, j'ai perdu mes charges d'éclair, c'est ça. Tiens, les deux poubelles de table quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a looté? Parchemin de main brûlante, rempart de l'absolu, plus 2 classes d'armure, ok. C'est quoi ça, et y'a pas un sort? Rempart de l'absolu, c'est un bouclier, et le sort, je crois que c'était un parchemin de main brûlante, c'était un peu de la merde. Attends, mais le bouclier, ça peut peut-être intéresser. Spécimen de parasite de flagelleur mental. Ah, faut passer. Il y en a un bouclier. Plus 2 classes d'armure, le bouclier. Oui, mais ouais, regarde, bah... l'héroïsme, c'est pas mal. Ok, bah je te l'envoie. Ah non, bah pas forcément, parce que maintenant je joue à l'arme à deux mains. Donc mais moi, moi j'ai un bobo. Oui, mais regarde celui-là, celui c'est celui que, qui drop. Héroïsme. En gros, mais t'es sinon, immunisé. J'ai un petit talisman de l'absolu. Ouais, 6 plus 1. Sachant que j'ai un tout. Moi je préfère garder le mien, je peux piéger les gens sur une bonus action. Je veux bien le talisman de l'absolu, ça servira plus que ma chiasse que j'ai. Ah tiens, ça c'est pour... Yes. En plus c'est un truc de Kai. Je pourrais vous filer... on va pouvoir le test alors. Voir si ça vous soigne. Attendez. Est-ce que... Attends, alors, j'ai une note intéressante. Saleté de druide qui fouinait dans les parages et tout sauf un simple pilleur de tombe. Alcine qu'il s'appelle, un nom aussi moche que sa tronche. J'ai pu causer un peu avec lui avant que les gardes chourne bouclent sa carcasse dans les enclos. Il raconte qu'il y a un truc pourri en nous et même en moi. Il croit qu'il peut nous aider à nous en débarrasser. Je lui ai dit qu'on n'a jamais eu besoin de personne et surtout pas maintenant que l'absolu en pince pour nous. C'est plutôt lui qui va bientôt pourrir de l'intérieur. C'est pas la barbaque avariée qui manque dans les enclos. Et quand on lui ouvrira le bide, je ferai en sorte qu'il survive assez longtemps pour voir les asticots lui bouffer les tripes. On a trouvé Alcine, il doit être enfermé quelque part. Je pense qu'elle a pas aimé. Alors, moi j'ai trouvé un marchand. Moi j'ai trouvé quelqu'un qui est en train de se faire torturer. Moi j'ai trouvé un marchand, on veut pas aller à marchander. Il s'appelle comment le gens qui se fait torturer? Liam. Viens, on va le chercher. Non mais viens, on va voir le marchand avant. Pas grave, il est occupé là. Ouais, il passe un bon moment, il est de l'autre côté le marchand. Où c'est? Là, il s'appelle Liam, celui qui se fait def. Effectivement. Et il y a Abdira qui s'appelle marchand, c'est ça? Il y a plein d'objets en plus à côté, il y a des parchemins de revivifiance et tout, machin. Attends, mais t'es où là? Bah, de l'autre côté. De l'autre côté. Ah, okay. Bah, allez, je te laisse parler. Attends, oui, c'est ça. Ah, c'est à moi que. Bah, vas-y. Bah, non, c'est bon. Je parle à roi. Ouais. Ah, bah. Attitude 14 moins 5. Lui graisser la patte, 2052 pièces d'or, non. Ah, tu vois? Ah, mais c'est l'Underdark, non? C'est pas ça? Bah, c'est en fait, c'est la copie de ceux qu'on a fracassé dans la cave. Weapons and other exotic goods, true enough. But most of all, we offer discretion. No judgment, no right and wrong, just good deals and bad. That problem for you? Ouais, après quand on t'aura acheté des trucs. J'ai tué vos amis au repos de vos kids, ce n'est pas un problème, j'espère. Ah là là, allez. Ah, si on peut refaire, par contre, si on peut refaire le dialogue après avoir acheté des trucs, ce serait trop bien. Ouais. Grave. Parchemin trait de feu et parchemin de rayon de givre. C'est nul à chier. Il a que ça. C'est tout? Ouais, c'est tout. C'est de la bouse. C'est tout? Oui. Non. Si, bah. C'est tout. J'en doute. Allez hop, je me casse. Attends, ouais, Julien. Alors, il y a une porte derrière laquelle on n'a pas le droit d'aller, donc va falloir probablement tuer des gens si on veut y foutre les pieds. Pendant ce temps-là, je crois que Katox est en train de. Tcha. Oui. Je suis un ninja. Non, mais je vais respé Rogue. Hein. Franchement, je vais respé Rogue. Hein. Je fais que ça de ma vie. Attendez. Là, ouais. Moi, j'ai bloqué des dialogues différents, je pense, avec la cocotte. You're joking. Goblins sell the best prisoners. Cheap? Ask the drow they're all bowing to. That glint in her eye is bad news for someone. Not my concern. So long as I'm paid. Speaking of, something to trade or what?
Oh là, moi je fais mon BG là. Qu'est-ce que tu crois, ma cocotte? T'es un beau nain. Bah alors moi j'ai plein de trucs, hein. T'as un favoritisme. J'ai une hache ensanglantée, j'ai un glaive de... Oh, de dingo. Mais pourquoi est-ce que... J'ai un bâton qui fait de la lumière, mais mieux que le tien, je crois. Qui fait une... Ah non, un fireball, donc c'est pourri. Parchemin pour Blink. Donc à la fin de ton tour, tu jettes un des 20 et sur un 11 ou plus, tu disparais dans le monde éthéré. Et en gros, tu peux pas te faire frapper la gueule. Feindre la mort. Lightning Bolt. Un parchemin qui permet de faire 8 à 48 de damage. Oh ouais. Tu as le scroll de protection d'énergie. Je suis dans leur réserve. Il y a un, encore un... Oh, il y a un marteau encore. Oh, oh. Alors moi j'ai très envie de les buter, mais non, attends, mais... Y a alors deux trucs. Un, est-ce que on regarde ce qu'il y a à vendre en faisant un break dans l'épisode pour pas faire chier les viewers? Deux, il faudrait les buter parce qu'il y a des coffres et des machins juste au-dessus d'eux et on peut pas y aller, ils veulent nous tabasser si on y va. Tu veux dire derrière la porte où je suis là? Non, là où je suis, juste au-dessus d'eux, il y a une échelle et au-dessus de l'échelle il y a un coffre et un truc. Je suis chaud, on achète le matos et on leur casse la gueule après. Par contre, moi, je suis à un endroit où j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin une dizaine de tonneaux de poudre et de feu. Et de vin de feu. Bah, je te laisse faire les emplettes de la. Attends, je vais prendre une. Je vais regarder ce que je voudrais, moi. La hache ensanglotée, elle est pas mal. Le glaive tueur de monstres. T'as fait pour passer, Katox? Tu sautes par la crevasse. Ah, moi, ça me dit chemin interrompu. Ah ouais, eh mais non, mais les armes elles sont vraiment pétées, hein. Chemin insuffisant, trop haut, chemin interrompu. T'as un fléau d'armes si jamais dans les trucs. Bah en spamant comme un gros débile, c'est passé. Y'a un coffre, y'a quoi dans le coffre là? Ah, mais il est lock, il est verrouillé. Ah, y'a une arme qui empêche les. Oh putain. Attends, mais du coup je vais devant. Attends. Ah bah en plus il y a des popos de force de géant. Des popos. Tiens. De soin, il y a 7. Fais-toi plaisir à la vente. Ah mais non, j'envoie les tonneaux, j'envoie les tonneaux au camp. Hein. Les objets coûtent cher. Hein. Les objets coûtent cher, donc vaut mieux que tu les achètes toi. Ouais, mais faut que j'ai l'option. Attendez. Ouais, bah attends. Je répète, est-ce que sachant qu'on est en train de vendre et tout, vous voulez pas faire une pause là si. Enfin, je sais pas, hein, moi je m'en fous. Bon, on peut même viser la fin de l'épisode, il reste. Ah bah parfait, let's go, comme ça, moi je te dis ce que j'aimerais bien et vas-y, essaie de lui parler à la Gnomette. Attends, parce que. Et j'irai fumer ma clope. Hop. On clôture l'épisode là. Oui, ce sera plus simple. Allez, on vous fait des gros bisous à tous, on va faire un petit peu de vente, on va essayer de pas se faire tuer sur l'entre-deux épisodes. A plus! A bientôt! A plus! Ciao!